2h30 avec vous. 2h30 est d'abord de la boxe et le kick in mais c'est celui de Pierre-Franck Winterstein qui affronte Frank Minton dans un combat de super moyen. Si Winterstein gagne, il peut justifier ses envies pour Montréal. Il est déjà fait depuis deux années, je dirais. Et si vous faites un endroit en particulier, le sommet est terminé pour cette matinée. Ensuite, dans une heure, formidable kick in du équipe de France de basket qui vous a séduit. Semaine dernière, face à la Tchécoslovaquie, et qui a joué un grand banco face à l'Union soviétique. Ça, c'est dans une heure, on pourra accorder et trouver du bon François de la Lazare-Pantier. Et pour ce soir, il y aura une série de hospitaliers, un spectacle fabuleux, et ainsi, au sein de la guerre, le studio de Pierre-Franck Winterstein, face à Frank Minton, en l'école classée numéro 9 dans la catégorie. Sur la fédération WBC et super moyen. Frank Minton, qu'on avait vu être battu en 8 reprises par Kyoto à Dobu. Donc, Jean-Claude, eh bien, on va aussi vous montrer un petit peu au jeu des comparaisons entre Winterstein et Winterstein et Kyoto. Et vous venez sur l'entraînement également dans la région. Oui, c'est la chance en avant. Super moyen de grande valeur. Alors, il est toujours intéressant de faire des comparaisons et de dire pas de voir ce que. Alors, c'est bien Frank Winterstein, on le sait, une carrière bizarre, je ne peux pas vous dire. Donc, on peut dire pratiquement que c'est son deuxième combat important dans sa carrière. Et ce n'est pas n'importe qui, français, face à lui, Frank Winterstein. Alors, on le sait, il a fait Winterstein un bon match devant Chezo, il a été battu la peine. Voilà, vous avez vu Tim Winterspoon, vous découvrez maintenant Frank Minton, donc qui est dans son vestiaire, qui attend toujours pour monter sur le ring, mais qui n'est pas prêt. Je vous disais tout à l'heure qu'il n'était pas prêt, car il somnolait un petit peu dans son vestiaire. Je suis allé le voir tout à l'heure, il dormait tranquillement. Et là, eh bien, il a mis du temps à se préparer également, puisqu'il n'a pas les gants. Tout de suite, il n'avait pas les chaussures. Peut-être on peut même descendre Jean-Paul pour voir si maintenant il a mis ses chaussures. Voilà, on va cadrer, on va descendre. On peut descendre jusqu'aux chaussures, je suis sûr qu'on va pouvoir. Eh non, il a toujours pas ses chaussures. Bon, donc ça prouve qu'on a encore un petit peu de temps devant nous. Si on a un petit peu de temps, on va aller voir un nouveau combat de poids lourd aux États-Unis, car nous avions prévu ce soir que des combats pouvaient être expéditifs. Après, celui-là, il n'est pas expéditif pour démarrer, il sera peut-être expéditif pour se conclure. En attendant,
puisque à coup sûr, vous aimez les KO américains et les KO des poids lourds. En attendant que Front Mitton se prépare, les deux hommes que nous allons voir s'appellent Riddick Bowe, l'autre Mike Assey. C'était aux États-Unis il y a quelques semaines, 3 semaines exactement. Et Jean-Philippe Loustic va vous commenter ce qui s'est passé vite, très vite aussi. Voilà, mais on aura toujours vu deux beaux KO et maintenant on va voir Frank Minton et on aura l'explication du petit retard. C'est que Frank Minton avait acheté de superbes chaussures neuves pour venir boxer à Paris contre Winterstein. Il les a essayées tout à l'heure et s'est aperçu que ses chaussures, mais en fait trop neuves, n'étaient pas prêtes, n'étaient pas cassées, lui faisaient mal aux pieds. Et il a décidé de remettre ses vieux jogging. Alors quand on découvrira tout à l'heure sur le ring, parce que là en ce moment il y a des escaliers, ça c'est pas facile de filmer. Quand on va le découvrir tout à l'heure, Frank Minton, on va s'apercevoir qu'il boxe avec une vieille paire de jogging comme vous et moi en mettons pour aller courir de temps en temps, faire notre footing. Mais lui, il vient pas faire un footing, lui il vient faire un match difficile, un match important aussi pour lui, car je vous rappelle que Frank Minton est toujours numéro 9 à la WBC, que s'il bat Frank Winterstein, qui lui est numéro 10 à la WBC, mais chez les poids moyens, parce que les classements sont quand même assez bizarres, eh bien, s'il bat Winterstein, il va se replacer tranquillement chez les super moyens au niveau de tous les autres, dans une catégorie où pour le moment le champion du monde WBC, eh bien, c'est toujours Ray Leonard, qui met son titre en jeu contre un de ses titres en jeu contre Roberto Duran. Vous savez, ça c'est sur Canal bientôt, dans une semaine, dans la nuit du 6 au 7. Je vous préciserai tous les rendez-vous tout à l'heure. Dans la nuit de jeudi à vendredi, hein. On commence à 3h du matin. Auparavant, on aura eu Tel Aviv contre Limoges en basket. Et à 4h25, c'est Léonard Durand. Entre-temps, on aura eu tous les champions olympiques américains. Une soirée de boxe fabuleuse. Alors Frank Minton, il veut se replacer dans cette catégorie. Le titre WPA, vous savez que c'est In Chu Baek, le coréen, qu'il détient. Et Christophe Tiozo pense qu'il le rencontrera au mois de mars. Enfin, c'est encore un peu loin, il y a encore 5 mois. Et puis le titre IBF, eh bien, il est vacant. C'est entre Lindell Holmes et Frank Tett. Et pour Pierre-Franck Winterstein, qui est toujours avec un palmarès incroyable, parce que 38 victoires, une défaite, un nul. Pour Frank Winterstein, organisateur de la réunion, vedette de cette réunion, là c'est le qui tout double. Il a une défaite, c'était contre Akariès en mars 83, qui est de loin l'adversaire le plus difficile qu'il ait rencontré. Il a un nul contre Joël Bontaz, c'était en 82. Depuis, il n'a que des victoires, mais contre des adversaires, bien évidemment, qui ne sont pas du niveau mondial. Ces deux dernières, c'est au mois d'août à Dieppe, il a battu Kit Taylor du Suriname, abandon 4e. Et ensuite, au mois d'octobre, il y a un mois exactement, à Saint-Ouen, il a battu un Ghanéen, Abdoul Amourou, par KO à la 5e reprise. Il y avait un léger mieux dans la boxe de Winterstein. En tous les cas, il y a eu un beau KO ce jour-là face à ce Ghanéen. Alors, Winterstein va-t-il être justifié les promesses et les commentaires flatteurs que l'on a longtemps fait sur lui, puis qu'on a cessé de faire parce qu'il nous avait un peu tous lassés? Ma foi, c'est à lui de répondre ce soir. Oui, je crois que la réponse lui appartient. Face à lui, il a un homme qui devrait le mettre en évidence. Ça veut dire que c'est pas un truqueur, c'est pas une boxe vicieuse. Frank Minton, on l'a vu devant Tiozo, est un boxeur franc. Alors ça devrait convenir au style de Pierre-Franck Winterstein. Et c'est vrai que puncher, on le sait, c'est pas nouveau. Alors il y a aussi un phénomène un peu nouveau pour Winterstein ce soir. 76 kilos, c'est pas son poids habituel. Comment va-t-il se comporter? Normalement, il devrait être plus fort physiquement. Oui, j'espère que ça ne va pas le faire boxer un peu moins vite. Oui, voilà. N'est-ce pas non plus le signe qu'il n'est pas bien préparé physiquement, qu'il ne s'est pas entraîné suffisamment sérieusement depuis des années? Ça, on est sûr que pendant des années, il ne s'est pas entraîné très sérieusement. Est-ce qu'il s'est entraîné sérieusement ces dernières semaines? Lui jure que oui. Son poids laisse planer une certaine inquiétude. On va le voir rapidement, car Frank Minton n'est pas n'importe qui. Frank Minton, depuis sa défaite face à Tiozo, a reboxé il y a un mois à Bismarck. Il a battu Nick Walter, qui avait été un challenger mondial IBF, donc c'est pas n'importe qui. Il l'a battu très nettement au point. Frank Minton, je me souviens, tous les papiers avant qu'il affronte Tiozo, on disait c'est un homme très très dangereux, de très haut niveau. C'est donc toujours un homme dangereux et de bon niveau.
à Winterstein maintenant d'essayer enfin, dirait-on, enfin de lever les doutes sur sa carrière. En tout cas, pour lui, c'est ce soir ou jamais. S'il n'est pas bon ce soir, Winterstein disparaîtra de la scène et des rings français. Winterstein avec une bonne droite suivie d'un gauche. Minton qui a tendance à laisser tomber son bras gauche. Il donne le coup, il laisse tomber son bras. Alors ce qu'il ne faut pas, c'est que Pierre-Franck Winterstein cherche le coup dur. C'est toujours lorsqu'on le cherche qu'on ne le trouve pas. Il faut qu'il boxe normalement des enchaînements. Il était raisonnable tout à l'heure en disant avant le combat, il y a 10 rounds à faire, il ne faut surtout pas que je me lance trop vite. Si j'ai l'ouverture pour ma droite, il faut que je la mette. Autrement, je donne des directs du gauche. Pour le moment, il suit son plan à la lettre, avec beaucoup de raison. Qui depuis le début de ce round n'a utilisé que le bras gauche uniquement. Et Minton qui tourne sur la droite de Winterstein, c'est mieux pour Franck, Pierre-Franck. S'il pouvait remiser derrière ce direct du gauche avec une droite toute seule, voilà comme il vient de le faire, mais un peu tard. Ouais, classique, beau direct du gauche, des gestes purs. Qui lui arrive assez rarement, mais Minton est plus grand que Winterstein. Voilà, pas d'émotion sur ce crochet du gauche donné avec le poignet, mais ce que fait Winterstein jusqu'ici est effectivement très classique, très sobre, efficace, qui lui permet d'enlever très nettement cette première reprise et surtout d'avoir montré une bonne technique. Il te manque 5 cm, hein. Ta droite, tu arrives en bout de course, hein. Est-ce qu'il y a un peu moins, hein. Essaye, quand tu donnes ta gauche, en piston, en avançant bien. Quand tu mets ta droite, tout de suite, ton crochet gauche derrière. Tu donnes les coups un petit peu trop décontracté, la scène, hein. C'est des mètres de coups plus puissants, hein. Respire. Tes crochets gauche passent bien derrière la droite, hein. Respire. C'est bien, ça marque une fois, qu'il va une première ronde, là, comment, hein. Alors, ce round-là, c'est de lui faire mal, sans te battre, hein. C'est de le soutenir. Tu pars légèrement plus loin sur ta droite, pour la droite. On n'est pas un peu dans la droite. Légèrement. Bien. Voilà, on a revu l'enchaînement gauche-droite dont normalement Winterstein devrait attendre beaucoup. C'est vrai, mais là, il était un petit peu loin. Ce que lui a demandé d'ailleurs M. Mikhaïlov de se rapprocher dans quelques centimètres. Chose importante dans les premières reprises, et avec tous les adversaires, mais peut-être les Américains un peu plus, faire savoir qu'on est en face et qu'on n'est pas là pour rigoler. Voilà que Minton cherche à se rapprocher un petit peu plus et qu'il est un petit peu plus offensif qu'à la première reprise.
Non. Bien des accès. Bonne tentative de crochet au foie. Réussi par Pierre-Franck Winterstein. Alors que Frank Minton eh bien, n'utilise toujours que son bras gauche pour l'instant. Oh, oui. Superbe percute de Winterstein. Ouais, c'est bien, se désaxer. Non, dommage. C'est arrivé un petit peu bas, c'est arrivé juste sur la poitrine. Ah non. Bonne garde hermétique quand il le faut. Minton sait monter les mains. Mais il ne faut pas que Winterstein laisse trop de force dans ses coups. Car on peut douter de sa résistance sur 10 reprises. Première tentative de crochet droit de Minton. Ouais, c'est bien fait. Le percute bien à l'intérieur en se désaxant. Suivi d'un crochet gauche, c'était bien fait ça, Winterstein. Ah, mais la technique de Minton est au moins à la hauteur de celle de Winterstein. Et le coup ne va pas aller de plus en plus facile pour le gitan. Des axes un peu plus, je pense. Travaillez un petit peu en bas maintenant. Hein. Travaillez un petit peu en bas. Respire. Tu travailles en haut comme ça. Tout de suite, tu redescends en bas. Hein, parce qu'il est ouvert en bas. Il est très ouvert en bas, Franck. Hein. Respire. Bien. Fallait, les gauches se passent bien, Franck. Hein, mais tu fais ta droite. Tu la téléphones un peu trop. Oui, tu ne peux pas trop tard à droite, hein, Gassel. Il a le temps de la bloquer. Comme à la leçon. Tadam, vite. Ouais. Hein, ouais. Tu suis ton prochain coup. Tu n'as pas donné un seul coup au corps, hein, Franck. Allez, fils, fais-moi un bon rond là. Hein. Ah, oui. Ok. Allez. Reviens sur fais un bon troisième rond. Troisième rond et ton prochain allez, gauche. Bon troisième rond. Et on a revu l'uppercut du droit. Qui était à coup sûr le coup le mieux réussi depuis le début du match. Troisième reprise. Là, pour l'instant, Minton semble vouloir prendre la direction du combat, imposer le rythme du combat. Alors que ce n'était pas le cas dans les premières rounds. Il a même touché d'une droite, il impose surtout sa vitesse car on sait bien depuis toujours que Winterstein n'est pas un boxeur rapide. C'est un boxeur puissant mais pas rapide. Et Minton va essayer de jouer la carte vitesse. Crochet gauche, heureusement, esquivé. Beaucoup plus offensif, Minton. Il a décidé maintenant d'impressionner Winterstein et de chercher lui-même l'ouverture. Non, bloqué. Il y aurait plus de chances de le toucher lorsqu'il vient de donner un direct du gauche. Il ne ramène pas toujours sa main en haut. Un peu trop loin. C'est dommage. Toujours les 10 cm dont parlait Gaëtan Mikhaïlev.
quand de temps en temps vous entendez les encouragements. Allez, Gassen, eh bien, Gassen, c'est le surnom gitan de Winterstein, ça veut dire l'homme fort. Et bien sûr, il y a beaucoup de gitans au cirque d'hiver ce soir, cirque d'hiver qui est quasiment plein. Depuis le début de cette troisième reprise, Minton nous fait une forte impression. Pour plein de raisons, il touche plus souvent, il impose le rythme du combat. Non, encore bloqué. Et on ne faudrait pas laisser trop de jus. Oh là là, c'est après le crochet gauche manqué, le direct du droit est arrivé. Combat difficile pour Winterstein ce soir. Et bonne reprise pour Minton. Laisse pas coincer. Respire. Respire pas. Fais marcher tes bras, enfant. Respire pas. Fais des petits changements de rythme quand tu l'es prêt, pour que tu l'impressionnes. Ne laisse pas prendre confiance. Respire pas. T'as envie ? Tu veux prendre confiance, il va t'en marrer, je te dis tout de suite. Hein. Allez, respire. Respire. Allez, respire. Faut pas qu'il prenne confiance, tu comprends ? On t'endort pas. Tu le laisses trop travailler. Essaie de le liquider sans te battre, mais essaie de le liquider. Tu n'as donné aucun uppercut en demi-distance. Il a les bras ouverts comme ça, passe à l'intérieur, la scène. Avec ça les dents, mon fils. Hein. Oh. Okay. Sur toi, tu fais le petit pas. Allez, un petit pas de retrait contre, quand tu es prêt, passe l'uppercut entre les gants, quand tu fais la salle. Alors. Respire pas. Allez. Respire. Ne t'endors pas, attention. Hein. Quatrième reprise, les deux hommes très près l'un de l'autre. Quasiment sur la même ligne même. Un round chacun et un nul, pourrait-on dire. Oh. Ah, formidable Winterstein à la sortie de ces deux crochets de Minton. Il est allé toucher Minton, qui n'a pas l'air complètement KO, qui avec beaucoup de métier est resté à genoux. Mais attention, c'est l'heure pour Winterstein de conclure. Il retrouvera peut-être pas cette occasion. Il ne se jette pas. C'est vrai, c'est qu'on ne prend pas vitesse et précipitation. Mais il ne faut pas laisser Minton récupérer complètement. Il faut faire pression. Ah voilà, il vient d'encaisser un crochet gauche, mais il faut la retoucher du droit. Minton n'a pas complètement récupéré, je peux vous l'assurer. Il faudrait que Winterstein touche de plein fouet maintenant, car sans ça, Minton va récupérer. N'oublions pas que contre Tuoso, il avait été à terre dès la première reprise et ensuite s'en était bien sorti pendant cette round. C'est trop loin. Oh, voilà encore cette gauche-droite. Oui, cette fois, Minton est en difficulté. Voilà, il va chercher à s'accrocher un petit peu. Moment difficile pour l'Américain. Mais qui a de très très bonnes réactions. Apparemment, beaucoup de lucidité en tous les cas chez le Français. Beaucoup de calme. Encore une droite. Et Minton qui a quand même dû être formidablement éprouvé dans cette reprise, qui est toujours là. Quel encaisseur, car Winterstein n'a certainement pas toutes les qualités du monde, mais en tous les cas, il frappe fort. Ouais, c'est bien ça. Même si la droite est passée à côté, de ne pas rester sur un coup dans le vide.
Ouais, uppercut cette fois-ci. Et c'est la preuve que Minton avait été touché à coup sûr, même à la fin de cette reprise. Quand tu tournes bien les mains, t'as vu, Franck ? Bien, mais ça. Hein ? T'as bien tourné ta main, le coup est bien passé. Le travail sur le trois coups, Franck. Hein, le travail pas sur le voilà, coup, on va hein. écouter Winterstein et on va filmer Minton pour voir le visage de Minton qui doit être éprouvé. Un peu la tête en l'air, hein, mais fais-toi pas. Travaille sur 2-3 coups, t'es pas chez l'un coup seulement. Allez, Garcelle, allez, fais-le. Ce round-là, tu l'as joué. Petit peu de vitesse, il a les jambes qui cajolent. Il a les jambes qui cajolent. Il a les jambes qui. Il se jette sur toi, tu fais un petit retrait comme t'as fait, t'as vu là ? Il est dans les corps. Il est tombé, t'as vu ? Respire pas. Là, l'enchaînement était de grande qualité. Il ne faudrait pas subir, il faudrait profiter de cet avantage acquis dans la quatrième reprise. Puisque un knockdown lui fait perdre 2 points à Minton. Et surtout ne pas le laisser reprendre confiance. Ce gauche-droite, c'est trop lent. On le voit partir. Trop lent et trop loin pour l'instant. Il n'est pas suffisamment spontané. Et à chaque fois que Minton a été surpris, c'est par un crochet gauche ou semi-direct du gauche. Semi-crochet, semi-crochet. Et encore Minton qui explose sur ce contre de Winterstein. Les deux hommes se frappaient en même temps. 7, 8, il va reprendre le combat, Minton. Il n'est pas encore complètement KO, mais il a forcément, il doit être très éprouvé. À Winterstein de trouver l'ouverture. Dans le coin, oh, quelle droite! Cette fois-ci, c'est sans doute la fin pour Minton, retouché par une droite qui fait un bon travail défensif dans son coin. Ah oui, excellente réaction d'ailleurs. Alors qu'il était malmené dans son coin. Oh, il doit toujours l'être, Jean-Claude, car c'est pas possible avec la grêle de coups qu'il a encaissé qu'il se reprenne immédiatement. Encore les jambes qui vacillent. Chez Minton, le crochet gauche. Ce sera par un enchaînement que Winterstein gagnera s'il doit gagner. Droite-gauche ou gauche-droite. Peut-être cette droite. Oh que c'est dur pour Minton. Oh que c'est dur pour Minton en ce moment. Voilà encore un uppercut qui est passé juste à un millimètre de la décision. Très beau round de Winterstein. Et regardez comme Minton a toutes les difficultés du monde dans son coin. Respire tranquillement. Respire tranquillement. Ne tape pas sur les gants, je vous le dis. Tape juste, ne tape pas sur les gants. Entre les gants, Marcel. Respire. Il ne va pas récupérer, tu sais. Il ne donne pas le temps de récupérer. Hein. Sans te battre comme un dingue, ajuste les têtes. Respire. Derrière ta droite, enchaîne ton crochet gauche, chaque fois il le prend. Et tourne bien la main, Franck, quand tu frappes. Respire fort. Donne pas des coups, tu sais pas l'automatisme, donne des coups puissants. Hein. T'as vu, t'as fait semblant de tu viens avec ton crochet gauche. T'as vu, il l'a pris de plein fouet. Il est tombé. Ça va. Allez, respire. Vente du droit. Ça va, ça va. Respire. Droite parfaite en contre. Fantastique.
vraiment parfaite. Droite plongeante, une jolie geste d'équipe. Et deux points supplémentaires pour Pierre-Franck Winterstein. Donc on peut estimer à 4 points l'avance de Winterstein. On attaque maintenant la 6e reprise, c'est-à-dire qu'on est juste à la mi-combat. Pour le moment, on a vu du bon Winterstein qui nous réservait une bonne surprise jusqu'à présent. Mais attention, le match n'est pas terminé. Et encore un bon crochet du gauche. Oh, très bon crochet du gauche de Winterstein au plexus qui a dû éprouver Minton beaucoup plus qu'il n'y paraît. Ah, il manque pas grand chose, il faudrait accélérer là un petit peu. Ne pas subir. Voilà des directs du gauche qu'il ne faut pas prendre. Minton les donne bien, très très bien. Ils sont moins appuyés que ceux de Pierre-Franck Winterstein, mais il boxe très très bien ce Minton. Ce que vient de faire Winterstein cette fois-ci, un enchaînement de trois coups qui est quasiment, il nous en parlait tout à l'heure avant le début du combat, c'est quasiment son maximum. Il disait je suis pas capable d'enchaîner plus de trois coups, mais ces trois coups là font mal et ce soir je dois absolument gagner. Pas subir. Et Minton qui touche à nouveau avec ce très bon direct du gauche. Il n'utilise pratiquement pas sa droite. Effectivement, les actions de Winterstein sont beaucoup plus sporadiques, mais peut-être guette-t-il l'ouverture, peut-être a-t-il un petit peu de fatigue aussi, ce qui serait plus inquiétant. Une reprise qu'on ne peut pas faire autrement que de donner à Minton. Chaque fois que je couche gauche, il bouge. Il te tue. Hein? Respire. Si le couche gauche, il te tue à chaque fois. Hein? Une, deux, tu le stops. Mais quand tu mets le couche gauche, il bouge. Bah, c'est l'autre, viens travailler sans couche gauche. Trois coups, il faut travailler. Le signe qu'il est grogné quand même. Oui. Il a la jambe droite. Septième reprise, ça avait été la dernière de Frank Minton face à Christophe Tiozzo puisqu'il avait abandonné à l'appel de la 8e reprise. Un Frank Minton qui avait les arcades très très fragiles et qui s'est fait opérer après. Il avait été terriblement ouvert après un combat face à Tony Willis en juillet 88 à Las Vegas. Il a été opéré cette fois-ci apparemment. Ça tient beaucoup mieux puisqu'il a pris pas mal de coups et qu'il n'est pas coupé du tout. C'est trop loin la droite. D'autant que Minton s'en méfie terriblement maintenant. Je suis derrière.
Winterstein, beaucoup plus monocorde que dans les premières reprises, qui est en train de baisser de pied, c'est évident. Oh, et de prendre deux droites de suite. Bonnes accélérations. Le punch est magique, on le sait. Tout peut arriver. Ouais, pas mal cette droite. Et oui, Minton n'a pas récupéré encore. Il accuse cette droite. Et le problème pour Winterstein, c'est d'enchaîner. C'est d'avoir la force d'enchaîner, d'avoir la spontanéité pour enchaîner. Sur cette droite, par exemple. Celle-là était belle. Le petit crochet du gauche n'est peut-être pas assez appuyé. Ouais, parce que cette droite est arrivée en haut, à la poitrine. Malheureusement, elle était bien donnée. Un petit peu trop basse. Pour rectifier le tir. Oui. Minton accompagne beaucoup mieux les coups maintenant. Il sait à quel danger il s'expose face à Winterstein. Et bien souvent, il met sa main droite en parade. Pas de lancer le crochet gauche, Franck. Hein. Ce round-là, tu n'as pas de lancer le crochet gauche. Hein. Respire. Bien. Ça va ? Oui, ça va. Bon, écoute. Ce round-là, travaille beaucoup plus le crochet gauche. Hein. Tu ne donnes pas ce crochet gauche. Une, deux. Essaye de donner les. C'est ton arme favorite, ça, le crochet gauche. Travaille-le. Hein ? Allez. Respire. Allez. Respire bien. Fais-toi un peu. Tu fais le petit retrait. Tu essayes de passer la droite sans la passer. Hein, il a trempé les coups encore. Il l'a piqué, là, tout à fait. Tourne bien les crochets gauches quand tu le donnes. Allez, derrière ta droite. Donne les crochets gauches puissants. Allez. En tout cas, là, des crochets droits puissants, on vient d'en voir deux, et ils étaient donnés par Minton, et c'est Winterstein qui les recevait. Alors attention à l'attaque de cette huitième reprise. C'est vrai que Winterstein est nettement en avance, 3-4 points, mais attention, ce match n'est pas fini. Échange de direct du gauche, magnifique, et Minton, eh bien, touche peut-être même plus précisément. Ah, il faudra une accélération. Oui, bonne droite, mais un peu lourde. Un peu haute. La gauche derrière était peut-être meilleure, car Minton grimace, Minton recule. Il faudrait pouvoir accélérer là maintenant. Quel métier chez Frank Minton en tous les cas. Je crois que l'arcade gauche de Minton vient légèrement de s'ouvrir et c'est pas ce crochet du droit qui va aider à la guérison. Ouais, bonne esquive. Faut remiser derrière. Ouais.
Toujours des bons directs de Winterstein. Là, qui a repris un travail en direct là, de haute qualité. Il faut qu'il prenne l'initiative, il faut qu'il continue à prendre l'initiative. Il ne faut pas qu'il subisse. Le premier. Ah, voilà, toujours cette longue droite qui permet en tous les cas à Winterstein d'enlever cette reprise assez nettement. Et de se donner en tous les cas une assurance, s'il n'y a pas de coup dur, il gagnera. C'est vrai, pour l'instant, ça n'engage que moi, j'ai 4 points d'avance pour Winterstein. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Respire, de faire une petite accélération. Petite gauche droite. Hein? Allez, c'est tout même rouge. À cette gauche droite que l'on a vu au ralenti, s'il est arrivé à la pointe du menton, ça faisait pas le même effet. Avant-dernière reprise donc, et vous avez vu qu'on soignait les arcades de Frank Minton. Ouf, c'est quand même réagir. Hein. Monsieur Mikhaïlev a demandé à Winterstein de faire une accélération ou deux dans le round. Je ne sais pas s'il en est capable, on le souhaite parce que Minton reste vulnérable alors que la plaie s'aggrave à la, sur l'arcade droite. L'arcade droite, oui, ouais. Il saigne beaucoup plus que l'arcade gauche, les deux sont coupés. Percute à la sortie derrière ces deux directs. Le premier. Il faut anticiper, voilà. Un enchaînement de 4 coups cette fois. Ah, difficile à prendre en défaut maintenant, Minton. Qui se méfie terriblement de la droite de Pierre-Franck Winterstein. S'en méfie. Oh! Ah, la bataille fait toujours rage sur le ring. Coup d'œil sur la blessure de Minton qui effectivement est assez grave et vous voyez comment Minton revient dans son coin avec les jambes qu'il soutient difficilement, très éprouvé. Oh.
risque inutile maintenant, ça sert à rien de prendre un risque inutile, mais boxe-le maintenant. Hein. Alors, boxe-le, c'est plus rapide que lui. Hein. Un coup à la godille, c'est vite arrivé. Hein. Tu n'as pas de risque à prendre maintenant, tu bats nettement au point, en désaccent, mais travaille contre, tranquillement. Hein. Prends pas de risque, Franck. Hein. Allez, boxe. Respire. Fais marcher tes bras. Hein. Tous les cas, bon match chez ces super moyens. Mieux qu'un lever de rideau pour le France URSS de basket que vous allez découvrir dans maintenant à peu près 5 minutes et qui s'annonçait explosif aussi. Et dernière reprise où Minton va essayer de tout faire pour changer le cours de ce match. Oui, pour lui, il n'y a qu'une solution, c'est la victoire avant la limite. Et paraît peu probable, mais... Et pour Winterstein, pris entre deux feux, conclure, essayer de conclure pour séduire un peu plus ou bien se contenter d'une bonne victoire au point, ma foi, qui nous aura bien plu si elle se termine, si ce match se termine ainsi. Mais attention, rien n'est jamais joué en boxe, il reste 2 minutes et demie. Peut-être... Des combats de ce niveau, il en aurait peut-être fallu un peu plus, ou un peu plus tôt pour Winterstein. Ah, ça c'est évident, il est à 30 ans, ça aurait été un des plus beaux gâchis de la boxe en France. Petite se reprend, oui. Oh, quel contre du droit à la dernière reprise. Minton ne se relèvera à coup sûr pas de ça. Quel chaos à la dernière reprise, Minton qui était laminé. Vidé et qui là vient de se faire contrer pour un terrible chaos. Terrible chaos, Winterstein qui voulait conclure avant la limite. Je vous disais qu'il devait être pris entre deux feux ou essayer de séduire un peu plus ou se contenter d'une victoire au point. Il avait besoin de panache en plus, Winterstein. On lui a tellement reproché de ne pas en avoir, de ne pas en avoir assez. Eh bien cette fois-ci le panache est là. Et toujours scène terrible. Mais regardez ce contre du droit. Ah regardez oui. Cette image. Formidable contre du droit au menton. Ah, qui foudroie littéralement. Le punch, c'est magique, on le sait. Mais on a toujours du mal à s'y habituer. Oh, quelle scène douloureuse, quelle scène difficile. Pour le moment, Minton... reste sur le ring pour être soigné. Il reprend petit à petit ses esprits. Et en gentleman, Pierre-Franck Winterstein est allé prendre des nouvelles de sa santé. Apparemment, tout va bien. Le docteur est près de lui maintenant. Il semble qu'il est récupéré. Le docteur nous fait signe que oui. Franck, vous vouliez absolument séduire ce soir, c'est fait. Pour moi c'est fait, oui, puisque je l'ai vraiment foudroyé encore un coup. C'est le troisième adversaire depuis le début de saison, du mois d'août. Et ce que j'aime bien, c'est que j'ai réussi à un net KO précis. Mais non, c'était... j'ai fait très peu de fois 10 rounds. Et donc je ne savais pas si ça allait me poser un problème. Donc j'étais un peu... J'essaie d'être pas trop rapide sur mes coups et d'essayer de l'amener sur un seul coup. J'ai réussi mon coup, pour moi tout est réussi. C'est superbe. Et ce que je voulais dire, c'est que Franck Minton était très entraîné vu qu'il vient de faire une victoire devant le challenge au Challenger mondial, donc je savais qu'il était très très entraîné. Alors Winterstein, il est reparti enfin sur la route du titre mondial. Sérieux, vrai boxeur, comme on aurait aimé le voir peut-être un peu plus tôt. Eh bien j'espère, vous avez vu le mal que je me suis donné pour organiser cette réunion. Vous allez être très, très au courant, mon Canal Plus. Je remercie Canal Plus de m'avoir suivi et de m'avoir donné cette chance au niveau des classements mondiaux. Franck Winterstein a prouvé qu'il pouvait battre tous les meilleurs mondiaux sur un seul coup. Je... Prochain match, on se retrouve où et quand? Fin janvier, à Paris, peut-être aussi d'hiver, contre Wiesenbach, sûrement, ou un classé mondial, on verra. Mais le champion d'Allemagne, c'est très bien, quand on est champion de son pays, c'est formidable. Donc si je bats le champion d'Allemagne, j'aurais battu un champion d'Italie, un champion d'Afrique, un champion d'Angleterre, j'ai battu un champion d'Italie. Voilà, merci Franck, qui nous a donc fait un très très bon match ce soir. C'était ici des images réalisées par Jean-Paul Jaune. On était avec Jean-Claude Boutier, les moyens d'Euromédia. Et tout de suite, on va s'en aller dans un autre palais des sports parisien pour retrouver ce France-Urse de basket qui nous promet beaucoup. Tout de suite, entre deux, Georges Eddy, Jean-Philippe Loustic.